What does perfect even mean? Is there even such a thing? Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo où je vais faire à manger avec vous. Donc, du coup, je vais faire à manger parce que j'ai envie. Donc là j'ai tout qu'elle a et je vais vous expliquer ce que je vais faire. Donc je vais faire genre des crocs McDo mais maison. Du coup ça va être bon, enfin j'espère. Donc d'habitude les crocs monsieur ou crocs McDo, enfin non les crocs monsieur avec du pain de mie. Mais là j'ai envie de faire avec des hamburgers. Genre la vraie recette de McDo qu'ils font. Du coup bon eux ils sont plus bons. Donc j'ai utilisé du coup. En plus, ils sont plus bons dans 3 jours, donc comme ça je les utilise. Hop, on s'en fiche, au pire si les deux sont pas pareils, parce que de toute façon ils seront écrasés. Donc, bref. Ok, donc du coup j'ai 4 pains, enfin genre 4 hamburgers, pain d'hamburger brioché. J'ai du poulet, enfin du blanc de poulet, parce que le jambon il est plus bon. Enfin, genre, non, il n'est pas plus bon, on n'en a plus. Donc voilà. J'ai des trucs de croque-monsieur et des trucs de cheddar. Donc après, les croque-monsieur aussi, c'est large, bon, jusqu'à longtemps. 23,9. Ça, c'est juste aujourd'hui. Donc bon, du coup, en fait, je pense que je vais en faire genre 3 au cheddar. Non, 3 au l'emmental. Et un au cheddar. Je sais pas, je vais voir. Et du coup, en gros, je vais mettre là les trucs. Et du coup, ah oui, donc j'ai pas de porte-pièce. Mais vous voyez, à McDo, ils retournent, ils mettent cheddar et un rond de jambon de base. Mais là, j'en ai pas. Et après, ils mettent encore un autre cheddar par-dessus. Et après, ils referment. Il me semble que du coup j'ai pas d'emporte-pièce pour faire des jambons ronds, enfin genre une tranche ronde. Du coup bah je vais utiliser un verre qui fait ça sur le pain, donc ça passe assez grand. Et comme ça, ça fera un emporte-pièce. Voilà. Hop, donc je vais ouvrir. Non, attendez. Je vais le blanquer. Là, je sais pas si dans les pains je mets genre 2 tranches parce qu'ils sont assez fins les blancs de poulet. Genre regardez les blancs de poulet, ils font ça. Voilà. Du coup si je me suis lavé les mains avant de commencer la vidéo. Bon je vais voir et après je vous retrouve. Du coup je vais commencer par faire un croque McDo du coup. Mais maison. Attendez, je vais prendre un ciseau pour couper, ce sera plus simple. Hop, voilà. Alors pour mon frère, je vais faire. Et mon tas de cheddar. Donc j'ouvre un emmental. Ça sent l'emmental. Alors je vais prendre celui-là et le haut. Bon, de toute façon on s'en fiche, c'est un haut ou un bas. Ensuite je vais prendre donc les blancs de poulet. Mais je sais pas si je mets comme ça, on verra mieux. Attendez, je vais les empiler comme ça. On verra le fond de travail. Bon, il y a des miettes, mais c'est pas grave. Donc, pas comme ça. En fait, ça va transpercer les autres. Donc, je vais prendre une assiette. Hop là. Je vais prendre une assiette. Donc, je prends un verre au pire. J'ai pas pris un verre en verre parce que je sais pas si ça aurait transpercé. Alors, si ça aurait fait. Donc, je fais un truc. Attendez, il s'est mal coupé d'un côté. Je crois, oui, mal coupé. Hop. Attendez, voilà, parfait. Regardez, donc là on a un rond. Je vais en faire plusieurs d'un coup. Ah ouais, mais lui il sort pas. Bon, c'est pas grave. Je vais le mettre en deuxième. Enfin, avec l'autre. Oh no! Attendez. Voilà. Bon, lui il est pas très rond donc je le mettrai en deuxième couche avec l'autre. Donc voilà. Donc ensuite, on reprend nos pains.
Ça, je vais mettre là sur le côté. On mangera after. Donc, mais le rond. Normalement, en vrai, les ronds, ils sont censés être plus grands que les tranches d'émental. Mais c'est pas. Et on va faire, en fait, on va les faire un peu dépasser. Comme ça. Ça fait comme McDo, qu'à chaque fois, McDo, il dépasse. Donc, aujourd'hui, nous avons décidé de faire comme McDo. Oula, bon, pas trop. Hein, parce que sinon, après, ça coule. Et c'est pas très agréable à manger. Donc voilà, et après, du coup, pour mon frère, je vais mettre un cheddar au lieu d'un émental. On voit plus ma tête, mais bon, c'est pas grave. Donc, hop, voilà. Ah oui, si vous entendez tousser, hein, c'est mon frère, il est malade. Il est à côté. Hop, je mets par-dessus. Ah, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis bête. J'ai mis sur le... Voilà, c'est sur le dos qu'il faut mettre. Je suis bête. Bah du coup, si je veux mettre comme ça. Non, je vais les remettre bien. Attendez. Hein. C'est compliqué. Je vais mettre comme ça. Comme ça. Comme ça, si c'est pas plus grand, tant mieux. Hop. Et par-dessus, je mets ça. Bon, si vous entendez vous, comme je vous ai dit, hein, c'est mon frère. Hop. Et là, après, à la cuisson, ça s'aplatira. Et ça sera bien. Donc là, j'en ai un. Je vais le mettre sur ici. Non, si. On va le mettre là, à côté. Donc, voilà. Ensuite, je reprends un autre truc comme ça. Je vais prendre donc ça. Je sais pas si je... Moi, je vais, je vais me mettre de l'emmental, je pense. Parce qu'en fait, l'emmental, j'en mange jamais. Enfin, le cuit, j'en mange jamais. Parce que, je sais pas. Parce qu'on n'en fait jamais, en fait. Voilà. Hop, ensuite. Est-ce que je mets le deuxième tout de suite? Oui, comme ça, c'est fait. Hop. Du coup, ça, c'est pour mon père ou moi. N'importe. Fiche. Hop, voilà. Donc, ensuite, je les remets là, là, comme ça. Et là, je vais faire mes ronds. Ah, je vais essayer de les faire plus proche de là, là. Comme ça, on voit mieux. Enfin, genre, je veux dire, on pourra faire deux ronds exactement. Donc, on tourne bien. Hop. Mais même quand on tourne bien, ça fait... Ça coupe pas, là. Bon. Voilà, là, on a coupé. Donc, on a un rond très rond. Et ensuite, on dirait un tuto. Et ensuite, on fait là. Pas qu'on fait bien partout. Voilà, perfect. Bon, là, c'est encore un peu scellé. Oh non, je l'ai cassé. Oh bah mince. Bon, c'est pas grave, ce sera pas un rond parfait. Hop là. Donc, ensuite, ça, je mets sur le côté. Pareil, on mangera après. Hop, et là, je vais mettre les deux épaisseurs de fromage. Enfin, de jambon. Qu'est-ce que j'ai fait là? Comme ça? Non. Non, mais je suis bête, j'ai oublié de mettre. Et là, je mets l'autre. Et voilà. Je montrerai la tête enfin, des trucs après. Donc, je mets là. Là, voilà. Ensuite, je vais faire un autre. Bon, là, je vais mettre comme ça, on voit ma tête et tout. Donc, je prends. Pareil, mon dos et tout, on se fiche. Là, je vais faire un emmental. Genre, 20 dans un cheddar. Mais là, c'est le cheddar. Donc là, attendez. Donc hop, je jetterai tout après, vous inquiétez pas. Voilà. Ouais. Ok. Hop. Et donc, du coup, voilà. Donc lui, je vais mettre... Bon, on s'en fiche au pire. Et ensuite, il faut faire les... Le jambon. Hop, le jambon. Donc on prend un jambon, voilà. Le vert. Et on fait comme ça. Je tourne l'assiette dessus, comme ça. Hop, là, ça a mal fait, donc voilà. Oh no! Oh, c'est pas trop un rond, mais bon,
C'est pas, on va faire un autre rond de toute façon. Ok, là je crois que j'ai un rond, oui. Perfect. Enfin, parfait. Voilà. Et ça, pareil, on mangera après, vous inquiétez pas, on va pas le dé. Hop. On va mettre la fiche. 8. Hop. 1. 2. Comme ça. Perfect. Et après, je mets comme ça. Comme ça. Et voilà. Hop. On remet au dessus. On va faire tout de suite le jambon, comme ça. Hop, c'est fait. Hop. Hop. Yes. Donc là, on a un rond presque parfait. Et ensuite, on fait un autre. Oh non! Oh non, je crois que j'ai pas assez collé. Ah si, ça mangeait assez de place. J'ai peur. Hop. Oh non, j'ai décalé, c'est bon, c'est pas grave. Hop, je fais comme ça et ça coupe. Bon, c'est pas un rond rond. Ah si, en fait. Bah non, il est pas très rond, mais bon. Donc, pareil, je mets à côté. Après, je crois que je vais le dire à chaque fois. Et je vais faire un deuxième émental. Genre que émental. Qu'est-ce que je fais là? Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Oh, attends. Non, émental, j'allais prendre. Non, c'est lequel qui est. Quel que j'ai oublié, c'est le tube. Hop. Donc, je prends deux émentales que je vais ouvrir maintenant. Hop. Oh non, c'est cassé. Hop. Bon, c'est pas. Vous voyez, à McDo, à chaque fois, les. Croque McDo, ils débordent sur le côté. Bon, là, aujourd'hui, on va pas faire. Enfin, même si je sais que ça va déborder, parce que regardez, c'est plus grand, mais bon, bref, voilà. Ensuite, on met notre tranche. Oh, je me rends compte que demain soir, il y a Danse avec les stars, il y a le deuxième, la deuxième partie du casting, enfin, des personnes qui nous ont pris pour la nouvelle saison. Donc, on va voir, je crois qu'il y a Miss France et tout. Il y a un youtubeur aussi. Comment il s'appelle? Michou et tout. Du coup, voilà. Hop. Ça faisait 2 ans qu'il n'y avait pas eu Danse avec les stars. On change totalement de sujet, mais c'était trop bien. Moi, j'adore regarder Danse avec les stars. Des fois, je regarde en entier, des fois, non. Mais bon. Waouh, regardez juste la pile qu'on a de crocs. Oula, là, il y a un petit problème. Ah non, il n'y a pas de petit problème. Donc là. On va faire un haul croque McDo. Alors, on a un emmental. Genre que emmental avec du jambon. Que cheddar. Que emmental et cheddar emmental. Et du coup, après, avec l'appareil, il est en haut. Avec l'appareil, on aura juste à. Vous savez, l'appareil que vous refermez. Ben, ça va les aplatir. Et voilà. Du coup, bah, c'est cool. Et. J'espère que ça va être bon. Voilà. Très joli. Et après, bon, bah. Ils mettront des sauces, ce qu'ils veulent. Mais pour le moment, comme ça. Du coup, voilà, maintenant, j'attends mes parents pour pouvoir faire aplatir. Parce que là, pour le moment, il est que 18h46. Enfin, non, 18h. Je sais plus, parce que il est pas à l'heure. Ils ont pas à l'heure, je crois. Bref. Donc, je vous retrouve quand on les aura fait griller et pour le verdict quand je vais goûter. À tout à l'heure. Du coup, voilà, les crocs McDo. Voilà. Hop. Donc, je vais goûter et je vais vous dire ce que j'en pense. C'est incroyable. Avec le mental. Bon, je vous filme pas trop. En fait, mon téléphone, il s'éteint. Parce que j'avais plus de batterie. Mais du coup, là je suis en train de le charger donc je peux pas vous montrer. Mais le cheddar, avec le cheddar c'est trop bon, avec les mentales aussi. Du coup, vraiment je suis trop contente. C'est trop bon, j'ai fait des frites en plus. Comme ça, bah, comme au McDo, mais la maison meilleure. Donc voilà, du coup, je vous retrouve après, pour la fin, parce que moi je vais aller manger et tout. Et voilà. Donc voilà, c'était.
très 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 très, très bon. Franchement, j'ai trop aimé le cheddar et même le mental, c'est incroyable. À la fin, j'ai tout fini, mais mon ventre était rempli à bord. Du coup, voilà, parce que c'est très lourd en vrai. Moi là je vais aller me coucher, il est un peu tard, 9h50. 9h56. Je vais aller me coucher. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à partager ma chaîne ainsi que ma vidéo. Allez vous abonner à tous mes réseaux sociaux que je mets en bas. Je vous fais plein de gros bisous et à la prochaine. Bye bye tout le monde. I'm disgusted with